Bonjour tout le monde, bienvenue sur News AD. En fait, nous venons de comprendre les dernières nouvelles, les derniers dénouements sous cause invasion de la Russie, territoire de l'Ukraine. Il y a un bagage qui ces derniers jours gain en pile débat sous lui-même. Qui dernière action qui s'est faite hier, à hier lundi? Il y a une étape qui franchit à hier lundi. Allez de comprendre. En pile nouvelle après qu'on ait que Vladimir Poutine qui est en décidé déjà la bombe à l'Ukraine. D'ailleurs, chaque jour levé, les États-Unis ont dit que dans n'importe où, là aussi capable de faire invasion ça. Chaque jour, il y a une sonnette d'alarme. Nous connaissons les États-Unis retirer tout diplomate. Ils dévoient non parti dans l'Ukraine. Et je dis, il y a définitivement retiré tout diplomate net. Il y a retiré tout le monde. Là aussi lui-même comme stratège toujours a dit bon même m'va pas OK là, et là aussi toujours a dit bon il pas gain intention ça maintenant dernière nouvelle c'est que Biden et Vladimir Poutine la France a TDS a tout dit yo promet que yo va gon rencontre mais yo dit que rencontre la fait si là aussi pas envahi est-ce que vous comprenez et maintenant ça vous comprendre c'est que tout le monde reconnaît que Vladimir Poutine son stratège il y a en pile menace qu'a fait sanction patati patata et puis Vladimir Poutine compte côté le veut il compte ça le veut lui-même il est très catégorique sous bit ça maintenant ça fait lundi à qui ça lit et monsieur Sion décret décret à qui ça lit côté que il dit il reconnaît indépendance de série de régions là là aussi ça nous les séparatistes qui ça c'est des zones non Ukraine et il y a des groupes dans zone ça qui réclamaient indépendance par rapport à Ukraine on bagay qui ou ka comprendre ça qui calé dans sens Poutine donc Poutine dit lui-même et il déclaré il reconnaît et zone ça c'est des zones indépendantes et il ordonné pour troupes militaires sous zone ça en d'autres termes troupes militaires par lui qui pourra sécuriser zone ça bay moun bay et zone sa yo groupe moun sa yo bay backup donc en d'autres termes nous capable di et décoder l'ouest ça li initier une invasion étape par étape parce que ça n'a pas là faut que vous compreniez bien c'est des zones c'est des territoires de l'Ukraine et qui en rébellion et que Vladimir Poutine passe troupes li au lord ça ou les séparatistes pour justement et sous territoire ça il ça en peacekeeping mission en le terme il relait une mission pour kembe la paix et ça le dit et maintenant il y a une question qu'a poser est-ce que tout bon vrai ça c'est commencement invasion est-ce qu'il pourrait aller plus loin puisque en pile monde pensait tout au moins que Vladimir Poutine tape tant réunion puisque qui ça le dit c'est que nous va réunir avec Biden mais nous pourquoi faire invasion c'est comme quand nous son dernière chance c'est ça le dit mais Jean Robert est là et Wapmando, est-ce que Negio cerné Poutine tout bon vrai? Puisque en pile t'es espéré que pas t'as gain mouvement avant rencontre là. Jeudi y a gain secrétaire d'État qui poko parce que ça vous dit c'est que depuis là aussi envahi réunion ça va pas fait mais beaucoup dit va annuler parce que ça fait là on dit c'est une anti invasion. On dit son petit coup d'eau qui fait commencer. Côté le aller, c'est point d'interrogation tout dépend. En tout cas, il y a Ukraine lui-même qui dit il faudrait que vous commencez par sanction contre là. Il faudrait que vous commencez par sanction contre là aussi. Depuis qu'on y a, avant même que l'invasion complète, il lui a dit pour t'as commencé par sanction. Et les États-Unis qui pour couvrir prendre route ça, et Joe Biden qui a annoncé que il y aura pas de sanction. Par contre là aussi non, il y aura pas de sanction contre zone ça yo qui déclare tête yo libre, autonome. Yo le des séparatistes par rapport avec autorité dans pays Ukraine c'est contre moun sa yo que les États-Unis dit pral prend sanction puisque yo même d'après sa stratégie c'est qu'il pral gen sanction contre la Russie lorsque justement invasion ta complète et en clair ça vous comprendre dans cause ça c'est que Vladimir Poutine lui même son stratégie ça n'a pas comprendre son stratège et revendication claire. C'est n'a pas rappelé que pour comprendre ça qu'a fait là. C'est que une bonne zone, je dis à que le pays
qui prend indépendance yo, tout yo te sous l'obédience de la Russie. Zone sa yo, jounen jodi a, yo fait partie de NATO. NATO a son gros, son gros force armée qui réunit des pays de l'Europe. Donc toute zone sa yo qui était supposée pour la Russie, on parle de nous capable dit l'on prend Estonia, Latvia, Lituania, c'est des Baltiques républicains soviétiques, jounen jodi a qui passe sous contrôle là aussi. Là aussi pas content de bay ça yo. Et l'itérité Tigran Ukraine et bien jounen jodi a complètement déclaré, pas oublier que tu gagne yon sandare le yon pouvoir pro Russia qui était pro Russian qui était du côté de Poutine. Eh bien, yo te levé campé, yo vidé la tête, yo séparé tête yo complètement de la part, yo séparé tête yo complètement et yo prend liberté au par rapport avec la aussi. Et c'est ça, la aussi nous pensait que la aussi pensait que li pa vle bay terrain ça. Li pa bay Ukraine comme ça. Et yon nan problème là, il dit si jamais nèg yo al mete Ukraine nan NATO, ba la ap gâté net. Puisque l'Union européenne promet que non proche avenir li capable mettre ça pour comprendre l'on pays entrer dans NATO il n'a veut nous comprendre dans débat l'on entre dans NATO n'importe pays qui dans NATO depuis ou attaquer tout pays ça honnête ou gon l'armée qui formé de tout pays ça qui peut le bataille avant c'est ça Poutine compte lui même Poutine pas veut pour que Ukraine trouver non pays comme quoi depuis l'attaquer et que tous ces pays de l'Europe pour le bataille avec lui compte ça donc il veut conserver parce que Ukraine représentait une zone stratégique pour la Russie. C'est comme Gwamdadou, et bien l'ennemi pour l'attaquer, il y a un espace parce que l'Ukraine a une relation avec les Western pays, les États-Unis, les pays d'Europe qui sont des adversaires de la Russie. Donc Poutine pas vle bo ba. C'est même j'ai droit dire bonjour jodi a. La Russie t'a vinn font bonne carte générale, il a gueule dans Cuba qui tout près là. Qui a un problème pour les États-Unis. Les États-Unis a fait toute pression. Il a fait toute pression pour lui empêcher ça. Et c'est ça qu'a fait là. En d'autres termes, là aussi, il a défendu position. Il a défendu position stratégique. OK? Donc, c'est comme ça pour nous comprendre. Et donc, dans les prochaines heures, dans le jour qu'a venu là, il est capable de gagner plusieurs rebondissements dans la cause de ça. Mais déjà, il faut dire que. Et dans mon parle avec nous dans la soirée lundi soir déjà et jeune market là il gagne temps plonger tête en bas et pas connait et je parle de market de l'Asie mais bon garanti bon font garder c'est vrai que dans la soirée et penser que US market là il pral vraiment affecté par dossier ça tête chargé depuis ça gagne 5 heures de temps cela il gagne temps down gagne temps descendre de 500 points 500 points. Donc, vous comprenez parce que ça vous comprenez là. De vous dire la guerre, ok? De vous dire la guerre pété, eh bien, tout indicateur économique, a plongé. Et c'est ça qu'a fait là, pour nous comprendre. Parce que, gon incertitude. Gagnent une incertitude et depuis gagnent incertitude market là gon bon monde qui dit yo pas là encore ou là qui just et retirer quoi yo donc c'est comme ça qu'on comprend la Chine qui trouvait dans mauvaise position puisque la Chine sont allés de là aussi mais la Chine pas voulu montrer que les trop bah c'est ça pour comprendre cause ça pas bon personne monde ça va faire on prend la France là en bamba pas encourager réunion yo ta vle pour pas qu'à la une solution diplomatique je suis le plan économique il va bon pour quel côté non moment là parler là et ça vous comprendre c'est que la niveau dit lui même il va badba puis ganeg yo parce que dernièrement pour comprendre Vladimir Poutine écrit neg yo on veut parler les États-Unis les pays de l'Europe il dit OK mes positions neg yo passer dans bêtise yo pas attendre une revendication yo et c'est à ce moment là duré monsieur Poutine mais OK nous pensons c'est jouer m'a jouer OK en d'autres termes monsieur catégorique il est prêt à tout si yo pas tenu compte justement des inquiétudes
sous développe Jean Bayo a développé avec Ukraine là. Donc c'est ça que le dit OK, moi te vle une solution diplomatique, m'te écrit nous mais réponse nous bon moi c'est comme si nous penser pression m'a bail, nous penser non, m'est sérieux. C'est ça le veut dit. En d'autres termes, position là dit clair, si nous pas faire rien vraiment vrai, oui. Si nous penser que problème là ca résoudre comme ça, m'a panique rete comme ça m'a bail vague. Me retirer troupes militaires mieux et puis quitter ça, ça va pas faire comme ça. Si effectivement nous pas décidé bon des garanties, pas gain des décisions et diplomatiques en termes de changement de position, alors là m'a violé tout pour le tout. Alors là moi prêt pour me jouer le tout pour le tout. Ça ne pense à guerre, là me connaît, pas connaît et là aussi pas connaît que il y a des conséquences, pas gain des sanctions. Mais pas oublier que Vladimir Poutine, c'est un soldat. Il est prêt pour lui assumer pour sauver l'honneur. Et il est clair le gain stratégique lui. Donc et ceci dit, toujours été une dernière porte ouverte pour ligne diplomatique là. En pile monde t'a souhaité le fait, mais nous voulons dire que bagaille vraiment là et commencé à mal passer. En d'autres termes, les troupes de la Russie dans le moment n'a parlé là sont sur le sol de l'Ukraine dans les zones séparatistes, ces zones là qui se revendiquent, qui se disent indépendants, qui réclament tête yo indépendant de pays Ukraine. Et c'est ça qu'a fait là. Et donc voilà, nous à suivre dénouement situation ça qu'a fait pour là et nous promettre pour nous porter pour vous dernier update. Mais nous t'a souhaité qu'effectivement que pita papitrice que guerre ça pas éclater parce que pour qui ça? N'a vivre un moment difficile ou carole dans l'économie hein, gain ça relé supply chain hein, qui déraillé lundi supply chain. Toute matière première pour construire, tout ça va faire besoin des intrants des matières premières qui sortent dans divers côtés dans le monde là. Et je ne dis pas, offre la pari pour la demande là. C'est ça qu'on vive là aux États-Unis qui vient faire que, ou après que l'on prie, bon, par exemple, simple. Moi, je dois tirer un exemple. Moi, j'ai acheté un salon là depuis l'année dernière, je crois. Quoi pas depuis le mois de juillet. Et le mois de juillet, je vais continuer à comprendre. Juillet, on fait août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, ou bien 6 mois, ou t'as dit, est-ce que dans qui pays ou yé? Oui, aux États-Unis. Ou bien mon parti la donne. Jusqu'à présent, gen parti ou beaucoup kabon mouen, non? C'est un exemple simple pour mon tour. Donc, c'est pas le mettre à pse sous clou. C'est pas le mettre à pse sous clou. A dit, ou non économie, clopi clopin, ou bien bon ben ba qui pa ka fait, production en pas, à plein en lia, et soit l'entrée dans la guerre pour nos sanctions. Alors là, nous pourrons aller vraiment sur de très mauvaises pentes si jamais et c'est route ça qui prend. Et franchement, nous autres, nous pas capables d'où à garantir ça va le passer. Puisque Poutine, c'est quelqu'un imprévisible. Ok? C'est imprévisible. Il dit, il toujours prend le monde par surprise. Ou elle, la lapten, négociation, la bagaille, vous comprenez? Donc, il n'y a pas jamais qu'à prévoir. C'est imprévisible, mais c'est un stratège. Imprévisible, il avait dit que c'est fou, non? Mais il est toujours, ouais, après tout, il agit, qui sait quoi le passer après. Ok? Donc, tout le monde respecte monsieur comme un véritable stratège. Donc, voilà, guys, nous t'es poté update ça pour nous. Bye bye tout le monde.